masih lama seperti kayak di nata ini sehingga serah deh. Aneh sih kayak naon tanggal naon cek orang dia naon namanya ah motor pak. Bonjour Rista, on est où maintenant? On a passé Cividey, Bandung. Maintenant c'est dans la frontière entre Bandung et Cianjur. On prend la poste parce que moi je m'en offrons. Parce que la route c'est comme ça. Ça fait mal au fond. Et à gauche, c'est la plantation de thé. Oui. Ça, c'est la plantation de thé. Oui, c'est la chambre de thé. C'est très grand. C'est très grand. Et c'est très beau. C'est magnifique. Et puis, parce que c'est... comment? Pagi itu jadi lupa. Matang, le matang. Ah, saya le matang, pasti saya le matang. Dong lihat saya tremong fresh, saya biang sampai dubiang. Di le soleil aussi, aussi c'est il fait beau sampai dubiang. Tu me dis quand tu finis? Oui. Dong maintenant saya on est dans le rest area Naringgul, iya le nom Naringgul. Ah. Ça commence iya aku ya dumong. Nah, jadi jangan ada paket. Nah, gini. Tu peux le prendre pour moi? Oh, ini video. Oui. Ça c'est la plantation du thé. On est toujours dans l'area pour prendre la pause. Il y a quelques petits restaurants. Et puis il y a la musique dangdut, c'est la musique traditionnelle. Normalement, on danse quand on écoute la musique. Donc, c'est vraiment magnifique, c'est beau. Le soleil, c'est il fait beau aussi. C'est que nous qui mangeons ici. On a commandé le basso. Basso, c'est le viande, boulette de bœuf. C'est les boulettes de bœuf traditionnelles. Parce que moi, j'ai mal au fond, donc c'est bien pour le médecin. Il veut manger quelque chose de piquant, pimenté. Moi, c'est comme ça. Manger le piment, ça fait du bien pour le fond. C'est bon? Oui. Alors, il y a Mas Adé qui est en train de manger les boulettes de bœuf. Il a presque fini les boulettes. Malheureusement, j'ai oublié d'enregistrer, de faire la vidéo. Est-ce que c'est bon? C'est très bon. C'est très bon? C'est au milieu de n'importe où. C'est loin de la ville. C'est vraiment la campagne. À la montagne, à la campagne. Mais il y a le basso très bon. C'est très bon. Vraiment. C'est... incroyable. Je suis content parce que j'ai mal au ventre. C'est comme le médecin. Médicament. Le médicament, c'est comme le médicament. Moi, je n'ai rien mangé parce que je ne peux pas. Si je mange, je peux vomir. Je vois seulement du gingembre. C'est la maman de Rita qui l'a fait.
arrivé à la plage au coin de Garut. Je sais pas, je connais pas trop où on se trouve, je vais demander. Il y a Risda, il y a ma belle-mère, il y a mon beau-père. La plage, c'est assez beau. La plage, c'est assez belle. La plage est belle, pardon. Mais il fait chaud. Je vais essayer de parler plus en français. En ce moment, on attend que les fruits de mer. On a commandé les fruits de mer pour manger, pour déjeuner, parce qu'on n'a pas mangé le petit déjeuner ce matin. Bon, moi j'ai mangé du fromage comme d'habitude avec des cafés. En fait, là-bas, plus loin, des fruits de mer, des crevettes, et je sais pas trop. C'est pas moi qui l'a commandé. Et du coup, on est allé plus loin pour voir la mer, la plage. Je sais pas, en fait, on est où? On est à Garut, mais c'est dans quelle région? C'est à Pamunpuk. C'est une région sud de Java-Ouest. On est dans la mer, sur la mer, à la plage. Elle s'appelle comment la plage? Comment s'appelle tout à l'heure? Sayang Helang. Ça veut dire quoi, Sayang Helang? C'est la maison de Helang, c'est aigle. La maison de aigle. Ça. Oh, Helang, il te aigle. Il y a du monde parce que c'est dimanche, donc il y a du monde qui vient ici. Et on a commandé le fruit de mer pour déjeuner. Oui, j'en ai parlé tout à l'heure. On a commandé le poisson, la crevette. En attendant, on se balade à la plage, à la plage sur la mer. Ça va bien briller. C'est le vent. C'est bien. Ça va peut-être. On est en train de marcher au bord de la plage. Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Ça c'est caca. Ça c'est bawal.